Je suis le forgeron de Foncombe et on m'a chargé de reforger les morceaux d'une lame ancienne. Mais voilà le problème. J'ai eu tellement peu de travail dernièrement que j'ai décidé de transformer ma forge en chambre d'amis. Pour une seule commande, je pense qu'une petite forge devrait suffire. Si vous pouviez en construire une pour moi, je vous serais très reconnaissant. Excellent travail. Voilà qui me suffira amplement pour reforger la lame du Seigneur Elrond. Je vous remercie. Peut-être pourrions-nous faire affaire, vous et moi. Comment faire?
faire pour aller là-bas. Je vous souhaite bon voyage.
peu tâche au potiron. Particulièrement belle aujourd'hui. Ces corbeaux n'arrêtent pas de saccager mes cultures. Je ne veux accuser personne, mais je serais tenté de dire que mon vieil épouvantail n'est plus vraiment à la hauteur. Ça me navre, mais je vais être obligé de lui trouver un remplaçant. Quelque chose de plus réaliste, peut-être. Que faire? Que faire? Que faire? Que faire? Ma belle-mère est de passage, et je lui ai promis l'une de mes tartes au pain nommée au concours de tartes. Mais figurez-vous que je n'ai plus de pain. Je suis sûre qu'elle va me faire une scène si jamais elle n'a pas sa part de tarte. Oh. Par hasard, est-ce que vous auriez du pain à me donner, l'ami? Ma belle-mère est... Que faire? Que faire? Les invités à ma fête se sont montrés un peu trop festifs, disons, et ont estimé que mon lit ferait un excellent trampoline. Avec la multitude de gâteaux au miel qu'on avait ingurgités, mon pauvre lit n'avait aucune chance d'y survivre.
Dites, vous seriez capable de m'en fabriquer un œuf ? C'est mon nouveau lit. Oh, merci infiniment. Que diriez-vous d'une tourte au porc pour fêter ça? Non. Pour le bien de mon nouveau lit, je dois me mettre au régime dès aujourd'hui. Prenez plutôt ceci. En poulet, ça veut dire « je veux vivre parmi les poulets ». Toute cette animosité entre les elfes et les nains. Oh, les poulets sont des créatures humbles qui mènent une vie simple. Pour devenir un des leurs, il me faut juste un chapeau de poulet. Vous pourriez m'en procurer un? J'ai déjà cherché à Hobbitbourg, mais en vain. Vous aurez peut-être plus de chance dans une ferme plus éloignée. En poulet, ça veut dire « merci pour ce splendide couvre-chef ». Prenez ce drôle d'œuf que j'ai peut-être pondu en récompense et promettez de revenir me voir quand je serai devenu un poulet. Que sais-tu de mets exotiques?
sert à rien. Impossible de trouver ce fichu trésor. Vous avez entendu parler du Hobbit qui a envoyé voler la tête d'un roi orque dans le terrier d'un lapin, inventant le golf par la même occasion? Mon petit doigt me dit que ce terrier n'est pas loin d'ici. Que diriez-vous d'aller vérifier si Sa Majesté est toujours à l'intérieur?
Au secours! A priori, il devrait se trouver quelque part par ici. Mince alors. C'est pas très rassurant ici. Finalement, c'était peut-être pas une si bonne idée. J'imagine qu'on devait s'attendre à croiser des orques ici. Mais quand même. Je suis bien content de vous avoir avec moi, l'ami. Un des orques a fait tomber cette babiole. J'estime que vous l'avez bien mérité. Ha!
devrait y avoir un gisement à exploiter quelque part. Il paraît qu'on peut trouver des plans dans toute la terre du milieu. Mais je pense bonsoir. Que c'est pas un explorateur qui pourrait tout se trouver. Bonsoir. Dites, vous auriez un moment à m'accorder ? J'ai eu un petit incident l'autre jour. Quelqu'un a essayé de cambrioler ma maison et a eu la bonne idée de passer par la cheminée. Ce scélérat n'a rien pu voler, mais il a réussi à détruire le foyer. Comme je ne suis pas très habile de mes mains, je serais ravi de payer quelqu'un pour m'en construire un nouveau. Qu'en dites-vous ? Voilà 3 jours que mon cousin s'est lancé dans une expédition ridicule au fond d'un terrier. Je commence à me demander s'il a décidé d'y poser ses meubles. Je suis sûr qu'il va bien, mais comme c'est vous qui l'avez emmené là-dedans, le moins que vous puissiez faire, c'est d'aller voir s'il va bien et le raccompagner chez lui.
Ça me fend le cœur d'abandonner un trésor. Et si vous vous en chargiez? Ça me prend le cœur d'abandonner un trésor. Et si vous vous en chargiez? Se sont légèrement coupés. Merci du coup de main. Je vous suis, l'ami. Te voilà, toi. Ma parole, ces lapins avaient mangé du warg, on dirait. Non, mais franchement, regarde-toi. Je vous remercie, cher ami. Tenez, c'est pour vous.
vous, qu'est-ce qui définit un héritage? C'est certainement tout objet que vos descendants se transmettront fièrement de génération en génération. Que pensez-vous d'une couronne de champignons en mitrille? Je pense que ça pourrait faire office d'héritage. Par contre, je n'ai pas les matériaux nécessaires. Si vous parvenez à m'en forger une, je vous transmettrai le secret pour une claque majestueuse. Alors ça, voilà ma couronne de champignons en mitrille. Oh, ça m'a l'air tout à fait héritable. Je vais la mettre dans une boîte poussiéreuse adaptée et laisser le temps faire son travail. Merci. Vous savez, il y a quelqu'un d'autre au village qui avait besoin qu'on lui forge quelque chose. Vous pourriez peut-être lui donner un coup de main aussi. Je suis sûr qu'il a oublié de vous le dire. Mais si vous fabriquez un objet exactement comme vous, vous pouvez en obtenir une version parfaite. Je parie qu'il n'a rien dit. Par ma barbe, que quelqu'un accepte un échange pour me débarrasser de cette chose! Elle ne fait que créer des pièces de manière très désagréable. Ma fierté de marchand m'empêche de la jeter. Alors, vous pourriez peut-être me forger un... Oh, je ne sais pas... un bâton... Ah, en mitrille! Ça existe vraiment, n'est-ce pas? Ah, enfin! Je vais pouvoir me défaire de ce gadget infernal et de sa fonction répugnante. Bon débarras, gemme infecte. Ne viens plus jamais assombrir ma porte. Oh, et je suppose que je dois vous prendre ce bâton. Ça doit être pratique pour trouver des chevaux, non? Donnez un truc. Bon, c'est l'heure de la chasse au trésor. On est tous là. Spamrat, Egmar, Ronge de Tarte, Flamgog. Hey, Flamgog! Quelqu'un aurait vu Flamgog? On n'ira nulle part tant qu'il n'aura pas ramené sa fraise ici. Huh?
Mm-hmm.